Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. Yo les petits potes, on continue l'aventure, on est en plein mois d'août. Oh, j'ai une moto, nice. Ah ouais, on n'arrive pas à mettre des sous de côté. C'est pas grave. À chaque petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, hein. Un petit pas. Service moto escorte, oh, ça peut être pas mal ça. Substance à risque et le faux aux poudres. Vas-y, on va peut-être en faire une après. Est-ce qu'on peut se mettre en club de motards? Non, nous ne pouvons pas. Donc, va falloir changer de session. Ouais, c'est bugué, là. Ah, je fais la custom si je suis pas... Ouais. Ouais, c'est bugué, les gars. Eh. Je peux plus bouger. Vas-y, tu sais quoi? Eh, ouais, je pouvais plus bouger. LR, nouvelle session, les petits potes. Aujourd'hui, normalement, c'est le grand jour. C'est le grand jour de l'acide. Ah, ouais. Ah, bah non. Aujourd'hui, fallait faire la planque pour voir si ça remplit l'acide. L'acide n'est pas encore à fond. Ah, ouais. Ah, ouais, je dis tout le temps, ah, ouais. LR. Mettre en boss, on attend que ça apparaisse. Ça n'apparaît pas dans cette session. De toute façon, on va pas y avoir de place à tous les coups. Bon, bah modifier le véhicule. Est-ce que ça passe cette fois-ci? Yes, ça passe. C'était bien buggette dans l'autre session. Nice. Bon, bah on peut se faire un petit 50 000. Brun cannelle. Ah, tu payes 10 000, j'avais oublié ça. Tu payes 10 000 pour le livrer 50 000, ok. Ça te fait une marge de 40 000, quoi. Vas-y, démarre. C'est la quoi? C'est la Nightblade. Bah, franchement, c'est une bonne moto. Je trouve que le design proposé par Rockstar est pas dégueu. Même si moi, je l'aurais pas mis brun cannelle, hein. Ok, on a Bulldog. Bulldog qui a voulu faire quelque chose de très mal, hein. Je l'ai vu, je te dis que je l'ai vu. Alors, on va péter les 500 000 dollars, ce qui est nice. Après, go plank, go casino, go plank. Et c'est nice. Kiki de la Nightblade. Voilà, ça c'est propre ça. Ah non, c'est vraiment une plus-value de 50 000 les gars, vu qu'on gagne 60 000. Ah ouais, c'est nice. Alors, apporte-moi mon véhicule personnel. La planque du jour, où est-elle? La planque du jour. Oh, elle est juste à côté. On va aller la faire tout de suite. C'est quoi comme véhicule? C'est ma vaca. Attends frérot, on met les sous sur le compte bancaire. On rigole pas. 532 000, c'est nice. Je sais pas si on va acheter la coke, hein, tout de suite. Hein. Ah ouais, mais après c'est reculer pour moins bien sauter, j'ai envie de dire. On va voir, on va réfléchir. De toute façon, on n'a pas assez, il nous faut au moins deux cargaisons d'acide. Hein. Mais non, espèce d'abruti, va. J'ai maintenu la gâchette pour jeter la grenade, quoi. Hein, ouais. Voilà, toi, t'es mort. Vous êtes tous morts. Oh, cette visée libre, cet exploit que je viens de faire là. Alar, El Papel, 01-23-45. Il va me bloquer avec son cadavre lui, non? Ah ouais, 01-23-45. Voilà, 45, nice. Open, et là, les gars, c'est le moment de la prière. Oh Dieu de Rockstar, oh grand Dieu, grand que tu es beau, creux que tu es gentil, que tu es doué. Donne-nous de l'acide, s'il te plaît. De l'acide. J'espère que ça va marcher, ma prière. Poussez-vous les cartons. Oh, MK2 avec une bounty. Ok, on est mort. Ok, il va nous lock. Non. Oh, bunker. Oh non, les gars, ça fait tout foirer les plans, quoi. Attends, il y a une fight là. Sous-estime pas mon sniper, frérot. Olé ! Oh, le Falcomat. Tu m'as mis dans le coma, Falcomat. Oh là là. Bon, bah, rip. Il va revenir. Bah, reviens. Bougre d'âne. Oh, il y a des sœurs jumelles. Ça va, les jumelles ? Ça va, j'espère. Elle a l'air la Ubermatch. Oh non, pas d'Atifelon, pardon. De côté, j'ai cru que c'était une Ubermatch. Alors, direction le casino pour tourner la roue. Je crois qu'on va vendre notre acide, même s'il est pas full, les gars. Par contre, j'ai pas trop envie de faire la vente d'acide, là, j'ai un peu la flemme. Ah ouais, j'ai mal dormi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais sur une île entourée de requins. C'est vrai, hein, les gars. Ouais, je vais me prendre une bounty. Nice. Ah, j'étais entouré de requins, frérot, c'était démoniaque comme rêve. Et 1 000 $ sur ma tête. Alors. Je fais une vignette, les gars, parce que je sens que je vais gagner la voiture. Ouais, c'est gros comme une maison. Je vais gagner la voiture, qu'est-ce que je fais? Je triche ou je triche pas? Oh! Oh dommage. Ah ouais, on y était presque. 25 000 jetons, c'est nice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle le labo d'acide tout de suite. Je fais ma vente. Vas-y, je vais faire ma vente. Oh mon frérot, comment t'as fail? Yorkshire Gamer. Vous avez vu ce qu'il m'a fait lui?
Mais t'es où? Boum. Ah, décidément, t'as vraiment pas de chat. Comme ça, le mec a décidé de camper devant le casino pour attaquer au hasard quelqu'un. Et il s'est fail. Il est très mauvais en plus. Il fait même pas de gauche-droite, les gars, donc... Par contre, il a toutes les armes. Les armes les plus cheat, il les a. Oh, la chance. Vas-y, décale que je rigole. Boum, 4-0. Trop nul, lui. Lui, il est trop nul. Il a mis l'orga fantôme. Ok, frérot. Ok, bah moi, je change de session. Ok, ce mec a un problème. Je vais te trouver avec ton orga fantôme éclaté. Ouf, fallait pas venir. Eh ouais, double kill. C'est quoi le problème ici? T'es où, Yorkshire? Bon, vas-y, je me casse. Ah, et le bâtard, il était juste là. Il a essayé de se casser avec sa voiture de merde. Sa Toreador. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là, j'étais tranquille, j'étais peinard, j'étais la main dans mon calbar, j'étais en train de manger du calamar et je me suis fait attaquer par un homard. Oh, c'était tellement drôle ce que j'ai fait là. Bon, vas-y, frère, t'es juste relou avec ton snipe explo. C'est quoi? Je vais te laisser jouer tout seul. Toi, t'es mort. Ah ouais, mais toutes les deux secondes, on a les flics d'abruti dans ce jeu. Toi. Oh, le bâtard. Ben ouais, mais les gars, aussi. Moi, j'étais tranquille. Ben ouais, pour une fois que j'étais tranquille, là. Il est où, l'autre, avec son orga fantôme éclaté, là? Non, vas-y, tu sais quoi, je me casse. Je me tire. Alors, dans cette nouvelle session, Alunam, Pouvam, Vendram, notre acide, l'impadati Felon. Coupé! Felon, j'étais coupé! Alors, direction l'acide. Oh lolo. Ok, frérot, je fais 2 mètres, je fais un tonneau. Tout va bien. Où c'est vous, bande de noobs? Salut, boss, un nouveau client. Nice. Ça, c'est bon, ça. Alors, l'acide. Il faut le vendre, il faut le vendre. Pour 219 000 dans une session quasiment full. Vas-y, je vends. Je vends, les gars, mais c'est par obligation. 10 points. Ok, why not? Ok, je vais devoir passer devant Mitsos. Mitsos, le dieu grec. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Bon, c'est pas Minos, le dieu grec? Oh, je sais plus, moi. J'ai aucune culture, moi. De toute façon, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus tu l'étales. Bon, on va se taper les 10 paquets. Avec un dieu grec aux trousses, j'ai envie de dire. Franchement, c'est notre seule chance de gagner de l'argent, c'est notre acide. Il faut pas perdre cette vente. Si on la perd, on est mort. Bah, si on la perd, c'est reboot, c'est les gars, c'est pendant plusieurs jours. On doit attendre que ça remonte. Hein. Et là, c'est à base de rachat de matières premières et tout. Hein. Donc, c'est pas ouf. Espérons que ça le fasse. Deuxième point. Second point. Tant te dire que j'aime pas cette vente. Hein. Elle est éclatée. Hein. Franchement, les points, ils sont mal mis, je trouve. Enfin, ils sont pas mal mis, mais ils m'arrangent pas, quoi. Ah ouais, pleine balle. Bon, c'est bon, la séquence, tu t'enregistres, là. Deuxième point. Troisième point. Oh, je fais un joli lancer, là. Oh, le beau gosse du premier coup. Stop, l'enregistrement. Espèce de bougre d'âne. Ah, là, on se fait attaquer, ici. Non. Non, c'est pas là. Bon, bah déjà, on a vendu presque la moitié de l'acide. C'est une bonne chose, les gars. En vrai, j'ai envie de faire du tuning. J'ai pas envie d'acheter la coke. Économiser je sais pas combien de millions pour faire des 100 000 de ventes au dealer. Franchement, je sais pas si c'est très intéressant. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si c'est un bon plan, les gars. Parce que qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? À part que les planques, elles vont se répartir en 3 trucs après. Je réfléchis. Et si je me faisais pas un kiff plus tôt? Moi, je vais me faire un kiff. Il y a un nouvel hélicoptère, apparemment. On va regarder ça. Oh, du premier coup encore. C'est ma journée aujourd'hui. Ah, agression par des hippies. Oh, ça fait tellement du bien d'être revenu en visée automatique, les gars. C'est nice de nice. Lui, c'est le paquet. Képette bonbon. Comme ça. Nice. Ah, il y a une statuette, je l'ai pas prise, je la prendrai plus tard. J'arrive pas à garder mon argent dans le jeu, en fait, c'est horrible. Dès que j'en ai, j'ai envie de le dépenser. Pourtant, on va falloir apprendre à économiser, hein. Dernier point, les gars, déjà, ça nous aurait pris 5 minutes. On est clairement pas à plaindre. Ouh, tiens. Voilà, on se défoule comme on peut. L'air. Et le dixième point, eh ben c'est nice, les gars, combien on va gagner? 329 000, ouah, c'est faible. C'est faible de ouf. Oh, on m'a dit faut renommer le labo d'acide. Ah ouais, mais j'ai la flemme là. Attends. Mais non, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, déjà, on met les sous en banque. Ça nous fait péter près du million. On y est presque. Je vais te voir, toi, je vais te mettre un coup de latte.
Je sais pas pourquoi les gars, j'ai une pulsion coup de latte. Oh ce fail. Et dégaine ton arme, dégaine. Voilà, t'es mort. Premier qui dégaine, il gagne. Il a pas compris ce qui lui arrivait lui. Si on renomme le labo de... C'est quoi comme moto ça? Oh, c'est une bâtie. Ouais, j'ai jamais vu une bâtie bleue comme ça. C'est rare que je vois une bâtie bleue comme ça, je la prends. C'est nice. Alors les gars, je sais plus quoi faire les gars pour gagner de l'argent. Le bunker il travaille. Ah, il y a le chrono de AO sinon. Ah ouais, faudrait... Ouais, écoutez, je vais faire une petite pause et je vais revenir. A tout de suite. Oh les gars, de retour. On est reparti pour la suite de cet épisode de Galérien. L'obé 9F, la 8F, non la 10F, oh je sais plus, il y a trop de F. Oh là là, nécessito aramadela. En ce moment j'écoute Manu Chao les gars, je sais pas si vous kiffez Manu Chao. Vous êtes sûrement trop jeune pour connaître Manu Chao, enfin la plupart, pas tous évidemment. Mais est-ce que vous connaissez Clandestino? Papa, vous êtes gardé, fin. Je comprends rien ce qu'il dit, mais je kiffe de ouf sa musique. Go écouter l'album Clandestino. Je crois que c'est le nom de l'album Clandestino. Hein. Ça va vous mettre dans une ambiance relax. Relax. Take it. Oh, je l'ai raté. Bon, allez. Il est l'heure d'aller jouer au casino. Parce qu'on est le lendemain en roulant sur tous les pignoufs qu'on trouve sur la route. Évidemment. Voilà. Voilà. Putain, la police, quoi. Sérieux, j'ai shooté 5 personnes. Vous êtes sévères de ouf. Bolos. Oh les, j'ai failli me faire péter avec. Je vais même pas le faire, chrono de haut, je crois. Quel jour on est déjà? On est lundi. Alors, est-ce qu'on a des voitures sympathiques? Oh, on a la belette. On a l'oracle. Rien de spécial. Oh, il y a du monde ici. Je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer un par un. Toi d'abord. Merci la visée auto. Et je rentre. The boss is back. Yo mec. Ah ouais, lui il est à fond dans son RP lui. Comment ça, c'est pas l'heure de tourner la roue? Ah non, ça m'arrange. Ah si. Ah si, c'est quelle est la playa. Transparency, transparencia. Des tout, des quelle est closing. Oh là là, ça m'arrange pas. LC Jardinero, tu m'as pris pour un LS, je veux dire. Tu m'as pris pour un jardinier, mon frérot. Enfin, j'ai rien contre les jardiniers. Hein. Moi, fut un temps, j'aimais bien le jardin, mais je trouve que c'est beaucoup de boulot, en fait. Ouais, flemme un peu. Et là, je suis sûr, il y a le mec qui m'attend, non? Enfin, je vais mettre une tête, les gars. Il est où, l'hélico? Regardez-moi ça. Non, bon. Il est de dos. Il est de dos. Ouais, non, je peux pas l'avoir, bon. Alors, qu'est-ce que je fais de mon argent? La planque. Faut refaire la planque. Il y aura deux planques dans cet épisode. Ouais. Alors, c'est quoi l'inducteur, frérot? Ah, c'est mon vélo, je suis teubé. La vaca a détruite. La gestère classique. La... Tiens, la Felzer. Il va encore faire nuit, les gars. Je suis désolé. I'm so sorry. Night every time. La planque, where is the planque? La planque, elle est pas dans le nord. Elle est là. On va aller faire la petite planque et il nous faut de l'acide absolument. Il nous faut de l'acide. L'acide c'est la vie. Oh ce sunset. Oh je suis obligé là. Obligé de tenter une minia là. Pourquoi le son ici? Ah bah oui. Là on la garde impeccable la Felzer. Allez objectif le million. On peut y arriver. Allez enregistre là, c'est bon, on a compris. J'ai l'impression d'avancer au ralenti en ce moment. J'ai l'impression que j'avance pas dans Wild là. Mais bon les gars, bientôt c'est la rentrée. Moi je vous dis, dès le 5 septembre, je pense qu'on reprend les vidéos tous les jours. Je vous le dis. Hein. Là on va accélérer. Je pense qu'on va faire une vidéo tous les deux jours. Pour commencer, pour se remettre dans le bain, tu vois. Et puis après une vidéo tous les jours. Hein. Comme avant, hein. Comme d'hab. Hein. Et ouais. Allez, deuxième planque de l'épisode. Ah, c'est rare les épisodes avec deux planques comme ça. Alors cette fois-ci, je vais pas l'acheter n'importe comment. Voilà. Oh là. The Technique of Papy Brian, toujours incroyable. Le papier, il est là. 24-10-81. 24. Voilà, quitter la planque. J'espère que c'est de l'acide. Il faut que ce soit de l'acide, frérot. Une chance sur deux. Une chance sur deux, on va prier le dieu de Rockstar. Oh, dieu de Rockstar. Oh, que tu es beau. Que ta barbe est jolie et bien entretenue. Que tu as des yeux perçants jolis. Oh Rockstar, que je t'aime, que tes jeux sont beaux, que... Bon c'est bon là, je pense que c'est bon, on a assez prié. On a prié Dieu de Rockstar. What, je suis bloqué ou quoi? Débloque-moi. Bon alors, acide s'il te plaît, acide, 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 acide,
Acide, t'es mort, toi. Tiens, fils de pute. Labo d'acide, yes. Yes, les gars, yes, labo d'acide. Oh, amazing. On va tout de suite appeler le labo d'acide, d'ailleurs. On va essayer de se mettre en boss. Et on peut pas. C'est génial, c'est que de l'amour, comme dirait Patrick Sébastien. C'est la fête. Est-ce que vous êtes prêts pour l'attraction finale? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bien attachés? Et on fait tourner les caquettes. Allez, c'était mon imitation dégueulasse de Patrick Sébastien. Bon, labo d'acide, je vais quand même l'appeler. Demander le labo d'acide, ok, toujours pas s'inscrire en boss. Non, on peut pas. MK2 sur nous. Oh le bâtard. Oh, c'est la première fois qu'un joueur me... Ah, il s'est vengé avec sa MK2. C'est la première fois qu'un joueur arrive à me fusiller avec... Ah, il va me péter ma caisse. Et il me retourne ma caisse. Vas-y, bouge-toi, le poteau, là. Ouais, voilà, il me pète ma Felzer. Mais vas-y, casse-toi. Olé. Bah vas-y, reviens Cristano là, avec ta MK2 pourrie là. Oh là là, mais ils ont tous le même gameplay, les mecs. Ils se mettent sur le toit, ils ont tous le même gameplay. Je recule. T'es mort. Cristano. Ah, Cristano, Ronaldouz, la campouse. Meurs. Vas-y, viens frérot, viens. Ah, le bastouille. Bon, les gars, je vais juste rouler dessus, c'est bon. Ah, c'est bon, frérot. T'étais au milieu du trottoir, là, vas-y. Banana, toi, tu vas mourir, frérot. Oh, non. Ah, la chance que t'as que je sois mauvais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Cristano, c'est tellement mauvais. Bon, les gars, il va falloir faire un petit peu d'oseille. Et le seul truc qu'on a pour faire de l'oseille... On peut toujours pas se mettre en sécuro. C'est le labo d'acide. Démarre. Oh, il a repris sa MK2, mais t'es un relou en fait dans l'âme. Ah, mais il se trompe de cible, il attaque quelqu'un d'autre. Bon, vas-y, tuez-moi les flics. Allez, tuez-moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent être casse-couilles? Allez, il est où mon labo d'acide? Juste là. Alors, on m'a dit mille fois, on m'a dit renomme ton labo d'acide pour gagner 10% ou je sais pas combien là. Je vais le faire. How can I be of service? Tous. Pour 1000$, ça va, c'est raisonnable, on n'a pas payé trop de frais. Je sais pas où le renommer, je pense que c'est dans le menu. Mais à mon avis, il faut être en sécuroserve, hein. Je suis pas sûr. Voilà, les matières premières, c'est cool ça, ça roule. Invité dans le labo d'acide. Ah, je peux mettre en boss. Par contre, je sais pas où on peut renommer le labo d'acide. Véhicule. Non, véhicule imposant, labo d'acide. Nom du produit. Changer le nom. C'est éclatax. Nom du labo. Alors, renommé. Je vais l'appeler Wild. Nom du labo d'acide mis à jour. Bon bah les gars, il n'y a plus qu'à le laisser travailler. Hein. C'est toujours une valeur sûre. On peut sortir de là. Ok, je me fais attaquer. On tente un move. Mais il est où le mec? What? Il est dans une voiture invisible sous le... Ok frérot, ok. Ça c'est un Night Shark ça. Au son. Bon les gars, le labo d'acide c'est fait et j'ai pas envie de faire de l'import-export. Sauf que c'est pas assez rentable. Faudrait passer voir le bunker. Ouais bon, on va passer voir le bunker, vas-y. Amène-moi un buzard. Je sais pas si mon bunker il est rempli franchement. Enfin je sais pas si j'ai une petite vente de bunker. Je crois que ça va être compliqué. Ah ouais, en plus il est x2, faut faire gaffe. Ah, faudra brûler de l'argent. Ouais. Désolé ça crippant. Oh non, 20 000$. Je suis quel abruti je suis quoi. 20 000$. Oh, 20 000 quoi. Non, l'abruti débile que je suis. C'est pas nice le plan derrière le panorama, même si on l'a déjà vu 1 milliard de fois. On est d'accord. Olé, j'ai touché. Olé, m'aider. Alerte générale, ici Dylan, le buzard est endommagé. Le buzard est endommagé. Demande d'atterrissage d'urgence. 4420 code 12, j'invente des termes. Voilà. Ok, 442, code 12, j'invente des termes aussi, j'atterris. Non, ça va, propre l'atterrissage. Ah ouais, il y a le bunker. Vous savez que le truc est x3, le truc de lamination, là, livraison de lamination est x3. Oh, 190 000 le stock du bunker. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas déjà x2? Ah ouais... Vas-y, faut taper la vente. Oh putain, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, les gars. J'ai envie d'avoir une voiture et de la tuner, là. J'ai pas envie de faire une vente de bunker. Je vais pas mentir. Mentir, c'est mal. Oh ouais. Ah ouais, mais c'est x3, non? Ou c'est x2? C'est x2, ça. Ah ouais, donc faudra que j'enlève la moitié, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait des ventes en hélicoptère avec le bunker pour changer un peu.
Oh, c'est le buggy encore. 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 Bon, ça va. 15 minutes, les gars. Dans 5 minutes, c'est bâclé. Il faudra brûler de l'argent. Je pense qu'on va se faire un petit... Ouais, qu'on va se faire un petit 600 000. Il faudra brûler 300 000. Eh, les comptables, là, s'il y a des comptables parmi vous, je sais qu'il y en a au moins un. Je sais qu'il y en a au moins un, les gars. Les comptables, là, notez, les gars, que je fasse pas d'erreur dans Wild. Hein. Hein, ouais, prochain épisode ou cet épisode-là, faut que je brûle la moitié de... Attends, bon moment, attends. Je mettrai pas la charrue avant les bœufs. Là, j'ai même pas vendu que je dis que j'ai déjà gagné l'argent. Ça se trouve, je vais me faire détruire par une MK2 ou par je sais pas quoi. Oh, le yacht, c'est beau, mais ça sert à rien. C'est bien dommage qu'on puisse pas le déplacer comme le sous-marin. Franchement, ça aurait été un peu malin de pouvoir tourner le gourdin sur le yacht afin de... Voilà, quoi. Bon, premier point. Let's go. À la fête foraine qui est toujours vide. Toujours vide de peuple, c'est la fête foraine de la tristesse. N'est-ce pas, mesdames ? C'est messieurs ! N'est-ce pas, monsieur ? N'est-ce pas ? Oh, dans l'eau. Oh, homme à la mer. Ah non, il est pas à la mer. Pousse-toi. Oh non, j'ai mis des mines, faut faire gaffe. Je voulais klaxonner. Morue. LR. Allez, déjà, on valide un cinquième de la vente. Pourquoi ça marche pas ? Oh non, les gars, non, ça marche pas, c'est bugged. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Vous avez vu mon réflexe de pleureuse ? Tout de suite, je commence à pleurer. Nya, 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 ça marche pas, nya, nya, nya. Eh ouais, je me connais par cœur. Enfin, je crois. Oh putain, il y a un mec devant. Le prochain point, frérot, il est là. Ah, il est au golf. Et voilà, et là je suis mort. Ah, sont dures les ventes quand même. Oh, JL Ryan. Oh non Ryan. Oh non. Oh non, ça va, il tourne pas. Ah, merci frérot. C'est où l'entrée du golf déjà? Oh non, putain, les points casse-couilles. Attention à pas tomber dans une flaque d'eau, ça serait vraiment dommage. Que ça se termine ainsi. Il y en a qui rigoleront, qui diront ah, chè, Jean-Kevin, chè, chè. Oh, on se fait avoiner, mon gars. Prochain point. Oh, j'ai failli mettre une mine. Ça va, je me fais toujours pas aggro. Est-ce qu'il y a un mec là? Raphaël Piki. Piki, tu tournes pas? Non, il tourne pas. Allez, les gars, le troisième point. Putain, mais c'est fait exprès de mettre des trucs comme ça pour casser les couilles. Ah, c'est fait exprès. Hein. C'est pour faire chier. Voilà. T'es jamais content. Ouh, il est jamais content. J'aime pas les ventes de bunker. Ça me soulève le cœur. Ça me donne envie de vomir. Non, mais je critique. Mais celle-là, ça va. C'est pas la pire. Il y a pire. De toute façon, il y a toujours pire dans la vie. Donc cette phrase, il y a pire, c'est débile, quoi. Parce qu'un jour, tu vas dire, ouais, il m'arrive un truc grave. Et quelqu'un, il va te dire, bah, il y a pire. Hein. Mais il y a toujours pire. Hein, ouais, il y a toujours mieux aussi. Hein. On peut dire, il y a mieux. Hein. En fait, c'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est deux philosophies de vision. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le PNJ? Il est totalement teubé. Ouais, il a pété son phare, sa broutille. Oh là là, j'aimerais bien avoir une comète. Une belle Porsche, là. Oh, pour le kiff, on va... C'est à gauche, là? Oh non, ils ont encore mis un point débile. Putain, mais c'est que dans des endroits casse-couilles, les gars. Bon, non, ça va. Allez, dernier point. Olé. Qu'est-ce que je vais faire après? Après, je vais boire un petit verre au vanilla, je pense. Hein. On aura fait bunker acide dans cet épisode. I love what? Sur le parking. Ah, j'espère qu'il n'y a pas une mini survie, que c'est tout bon. C'est tout bon, Marco. Sortez de la zone avant d'attirer plus l'attention. Je sors de la zone! Oh. Amène-moi un véhicule. Tiens, ce Gallivanter Baller ou cet Ubermatch. Oh, que bah, on va prendre le poids lourd. Je suis mort. Alors les gars, on va diviser par deux la somme. Et ça nous donnera la somme à brûler. 661 500. Donc ça fait... ouais, en gros 330 750 à brûler. Bon, on va aller brûler l'argent tout de suite. 330 750. Mais non. Mais. Voilà. Ah, 330 750. Ouais, bon, vas-y, on arrondit à 331 000. On arrondit. Je préfère brûler l'argent maintenant parce que comme ça je sais ce qui m'appartient, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, brûlons. Alors, réparer, ça compte pas. Peinture. Juste un test. Ok, donc on va faire. Donc là j'ai déjà enlevé le 800. Donc on sort la calculette, les gars. 1 527 772 moins 300. Ah, 330 000, je viens de brûler. C'est bon.
1 million, en gros, 1 million 197 000. Il doit me rester. 1 million 197 000. 1 million 197 000. 1 million 197 000. On y est presque. Déjà. Ah, voilà, c'est bon les gars. Et ben voilà, on a brûlé l'argent du bunker, c'était propre. Et ben du coup, est-ce qu'on peut s'acheter de la coke? Je crois pas, hein. Je crois qu'il faut encore 2 millions quoi. Faut, enfin, il faut au moins 2 millions quoi. Pas le droit d'AFK, donc je vais pas AFK. Toi, par exemple. Ou toi. Oh, j'adore rouler sur les PNJ. Voilà les gars. Bon bah moi je vais boire un petit verre au vanilla. On a pété le million quand même, hein. Bunker acide. Et là maintenant on est dans la mouise. Parce qu'il n'y a plus de bunker, plus d'acide. Tout est en train de recharger. Donc pour le prochain épisode, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Oh, cabine téléphonique. Attendez, avant de se dire au revoir, je vais aller là. Oh la chance qu'il a eu, la chance qu'il a eu. Bon allez les gars, j'y vais et n'oubliez surtout pas les gars. Hein. On s'appelle hein, la bise. Hein.